Bonjour à tous, je suis plutôt assise, donc ça va pas. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de vous voir beaucoup plus attentif que les députés à l'Assemblée. Prenez-en de la graine. Encore plus féminisée que l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui déjà a fait des progrès par rapport à ce qu'elle était avant. Un plaisir de voir une bonne mixité dans un lycée. Merci de m'accueillir. C'est une opération qui est en train de se passer partout en Europe. Ça s'appelle Retour à l'école, Back to School. C'est des gens qui travaillent sur l'Europe, alors soit parce qu'ils sont fonctionnaires européens, soit comme moi, travaillent régulièrement sur les questions européennes, vont dans les lycées parler de l'Europe et puis surtout écouter ce que vous avez à en dire et les questions que vous vous posez, les remarques que vous faites, les envies que vous avez et puis essayer de les répondre. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous parlez souvent de l'Europe, de ce qu'on parlait de l'Europe. Moi, ma question, c'est que, en fait, par exemple, des gens qui ont immigré, que ce soit en France ou dans un pays européen, est-ce qu'ils pourraient, et qui n'ont pas la nationalité du pays européen, est-ce qu'ils pourraient aussi participer au projet Erasmus? Oui, alors il n'y a pas de condition de nationalité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont immigré et qui acquièrent la nationalité d'un pays européen. Erasmus, je ne l'ai pas dit, c'est d'ailleurs un peu plus large que l'Europe, l'Union européenne. Il y a des pays qui se sont associés à Erasmus et qui n'étaient pas dans l'Union européenne, et c'est une bonne chose.